pensez combien le Tout-Puissant, aujourd'hui encore, souffre à cause de vos péchés. Ainsi qu'en viennent les souffrances, présentez-les en sacrifice à Dieu. Je ne veux forcer personne à quelque chose qu'il ne ressent pas et ne veut pas. Cependant, j'avais des messages particuliers par lesquels je voulais réveiller la foi de chaque fidèle. Mais un nombre très faible a accepté les messages de jeudi. Au début, j'étais assez nombreux, mais c'est devenu pour eux comme une habitude. Et ces derniers temps, les gens demandent le message par curiosité et non par foi, et par dévotion pour mon fils et pour moi-même. Chers enfants, je vous ai déjà dit que je vous ai choisi d'une manière spéciale, juste tel que vous êtes. Moi, votre mère, je vous aime tous. Et dans chacun de vos moments difficiles, n'ayez pas peur, parce que je vous aime, même quand vous êtes loin de mon fils Jésus et de moi. Chers enfants, j'ai besoin encore maintenant de vos prières. Vous vous demandez pourquoi tant de prières. Regardez autour de vous, chers enfants, et vous verrez combien le péché a pris de l'emprise sur cette terre. C'est pourquoi priez pour que Jésus soit vainqueur. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de Medjugorje de l'année 1984. Mon commentaire. Jésus souffre, car il nous voit nous faire du mal. Et il a beau nous expliquer qu'il ne faut pas commettre de péché, on continue en faire. Alors il y en a certains qu'on a vraiment du mal à éviter. Je pense à des péchés liés au sexe. C'est toujours un peu difficile de lutter contre ses propres pulsions. C'est pourquoi il existe la confession. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut éviter. Alors se dire que de toute façon on est des pécheurs et qu'on ne peut pas les éviter, ça veut dire que je ne lutte pas. C'est un peu comme si vous abandonniez la terre et les hommes sur la terre à Satan en disant « de toute façon on ne peut pas lutter ». C'est ce qu'on appelle abandonner avant de combattre. Forcément, on est perdant. Marie nous précise qu'elle n'est pas venue nous forcer. Dieu nous a donné la liberté et Marie nous laisse cette liberté. Elle est venue réveiller la foi qui est en nous. Beaucoup suivent les messages par habitude, mais ne les appliquent pas. Oui, c'est de vous qu'il s'agit. Vous vous dites pourquoi j'appliquerai les messages alors qu'on a déjà gagné et que d'autres le font à ma place. Ces messages me font du bien et me remontent le moral, mais je vais attendre de voir ce qui se passe. Le problème, c'est que plus on mettra de temps à se convertir, plus les souffrances vont durer. Chaque personne a été choisie par Marie. Allez-vous dire oui ou allez-vous dire non ? Il faut toujours plus de prières, car même les personnes qui suivent Dieu commettent énormément de péchés. Beaucoup ne savent même pas qu'ils commettent des péchés. Et ils croient que le péché est normal, que c'est humain, et qu'on ne peut pas faire autrement, et que l'homme est mauvais. C'est pour ça qu'il y en a certains qui préfèrent les animaux aux hommes. Les larmes de Marie.
j'ai besoin de votre aide. Vous le savez, j'ai très peu de moyens. À l'approche de Noël, vous pouvez me soutenir financièrement. Pour me faire un don, vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Les photos. Merci de prier pour les personnes âgées qui ont peur de souffrir et qui ont peur de la mort. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez la possibilité de me contacter par mail pour une question, une vidéo, une photo, une prière. Mon email est remy.croassier@orange.fr. Jésus, voilà, ce sont les croix que je vends sur www.croixassier.fr. Céline demande des prières pour sa sœur Julie, qui a une maladie psy et en plus, elle est dépressive. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sous la vidéo, dans les commentaires, vous avez des t-shirts et des sweatshirts que j'ai créés. Ça peut être un joli cadeau de Noël.